Qualification pour la finale dimanche, première compétition, en tout cas internationale, depuis plus d'un an. Quel est ton sentiment? Forcément content, après il reste du travail, mais forcément. On t'a vu effectivement assez prudent, on va dire, aujourd'hui, sur la réserve. C'est ça, voilà. Un peu avec le frein encore, tu vois. C'est ce que je ressens aussi, et c'est ce qui est ressorti un petit peu, je pense. Il y a eu des belles techniques à certains combats, tu vois, mais un petit peu avec le frein quand même, sans, en fait, comme si je voulais pas prendre trop de risques, alors que en vrai j'aurais dû, mais là, ça va, ça paye, donc c'est le principal quand même. Pas prendre trop de risques ou pas montrer trop de choses? Non, ça je m'en fous. Honnêtement, je m'en fiche. Non, en vrai, sur ça me dérange pas, parce que je peux plus rien cacher à force. Enfin, on se connaît tous. Ça fait 2 ans de qualif, on s'est pas oublié parce qu'il y a eu le Covid. Hein, donc en vrai, non, même pas voulu cacher quelque chose, pas du tout. C'est juste que j'aimerais bien que ça aurait été, que ce soit volontaire, tu vois, mais non, il y a toujours un petit frein, c'est la reprise, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En parlant de personnes que tu connais bien, tu as de nouveau rencontré le Turc Burak Uygur en demi-finale. Combat toujours très très serré entre vous. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci? Voilà, le premier qui marque, c'est toujours ça. Entre nous, on sait, c'est un peu ça. Je sais, moi, quand je le prends, ça va être un combat compliqué. Lui aussi, il le sait, en vrai. Ça, c'est jamais un combat à score, c'est un combat trop stratège. C'est pas forcément le karaté qui me plaît, mais bon, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc, en vrai, celui qui marque en premier, en général, c'est lui qui sort du tout. Une journée globalement rassurante? Oui et non. Oui, pas non. Oui, mais il y a du boulot. Oui, mais il y a du travail. Parce que moi, je te dis, je ne me suis pas senti au top du temps. Oui, mais il y a du travail. Rendez-vous dimanche pour la finale, une finale que tu as envie de gagner, j'imagine. Ouais, bien sûr. Après, on va y... J'espère. En général, quand ça se passe pas trop bien dans mes tours, je me lâche bien en finale et l'inverse, tu vois. Donc on verra bien, après j'ai pas envie de me porter l'œil en disant ça, mais on verra bien, j'espère. Ça, pas forcément que je gagne ou que je perde, peu importe le résultat, mais souvent quand c'est crispé dans mes tours, c'est plus l'edge en finale, je suis plus relâché, tu vois.